Bob, j'ai cru qu'il nous lâchait jamais. Mais qui c'est qui a aggro ce dragon au feu? Oh, à ton avis. Waouh, mais c'est pas moi, hein. C'est la fille avec les couettes qui sait pas jouer. Non mais j'y crois pas, non mais t'es vraiment un mytho. Tu sais que c'est vraiment pas beau de rejeter la faute sur les autres, Spardra. Mais Megazel, il dit toujours ça quand il fait des bêtises. Je sais bien, mais c'est pas un exemple à suivre, hein. Bon, d'accord. Mais n'empêche que ça valait vraiment le coup d'essayer d'attraper la grosse bébête. Comme ça aurait pu faire un nouveau familier, ou peut-être même une monture, hein. Combien de fois je vais devoir t'expliquer que ça fonctionne pas comme ça? Mais c'est quand même dingue que t'arrives toujours pas à faire la différence entre un mob et un familier! Bah si, j'arrive à faire la différence! C'est très très clair dans ma tête, hein! Ouais, bah on dirait vraiment pas. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, on n'a pas réussi à terminer la quête! Le plus grave dans tout ça, c'est que, à force d'appuyer fort sur la flèche, bah, je me suis cassé un ongle. Je crois que je vais devoir aller à l'hôpital! Je pense que tu survivras, Couette. Tu crois? En même temps, si je vais à l'hôpital maintenant, je vais être en retard pour ma French manucure dans une demi-heure, alors... Bon d'accord, je reste un petit peu. De toute façon, dans une demi-heure, j'aurai déconnecté. J'ai cours de flûte traversière. Je commence à déprimer, moi. Et tu n'as pas fini de déprimer, mon pauvre. Oh non, mais manquez plus que ça, la coalition. Et salut, Dark Avenger. Je suis content. Ah, s'il vous plaît. Ne t'approche pas, sale fourbe. Bah, pourquoi? Parce que je te connais. Tu veux encore faire semblant de jouer les doubles naïfs pour me balancer un de tes sorts tordus? Ça marche pas avec moi! Et le PK, t'as pas remarqué qu'on a un peu 4 contre 1 là? Si, si, la néogicienne! Mais j'ai ramené un copain! Ouais! Un copain niveau 100! C'est qui le grand monsieur avec son gros gourdin? Je suis Timan, de la guilde de Roxor! C'est pas possible! Entre mon internat, maintenant la terreur de la coalition et l'esprit d'équipe de la guilde qui se détériore, je vais plus jamais choper un seul point d'XP! No stress! Vu qu'ils vont nous camper, je vais me faire un petit AFK ciné. Je reviens dans 2-3 heures. Allez, à plus! Dis, tu vas quand même pas t'en prendre un avatar tout mignon comme le mien, hein? Bah, tu connais notre devise? Notre devise? Quelle devise? Bah, c'est coalition destruction! Pauvre couette! Viens par ici! Pourquoi? Je vais pas en finir à temps. Encore une heure de cachet. Et dire que demain j'ai des examens. Tu parles de tes copains. J'ai bien... qu'ils soient occupés. Pour le moment. Voilà, tu froisses mon staff. Mais j'ai joué plein de fois en camping cette semaine. Faut plus faire, hein. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose maintenant. Bon ben, je viens d'avoir ton téléphone, il a des examens, il se connectera pas. Depuis qu'il est parti dans son internat, bah c'est super moins rigolo quand même, hein. Si on prend bien, on va encore passer la journée à rien faire. Bah pourquoi tu dis ça? Je te rappelle qu'avec la trahison de la Détrimée, on a plus de tank, donc c'est fini les quêtes de combat de groupe. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est vrai qu'il vaut mieux une fille tank que pas de tank du tout. Maintenant, notre avancée PVE est tributaire de l'emploi du temps chaotique d'Arthéon. Si vous étiez pressé d'atteindre le niveau 100, autant dire que c'est raté. Mais vous oubliez quelque chose! Ah ouais? Mais quoi? Bah, mon reroll tank top moumou top the dead, hein! Et qui va nous soigner si tu mets ton prêtre au placard? Bah quoi? Non, on peut pas compter sur elle, elle se connecte une fois là. Bah alors dans ce cas, vous aurez qu'à boire plein de potions pour pas mourir! C'est sûr que ce sera toujours plus efficace que tes mercurochromes. Au moins on sera certain que tu vas pas soigner tous les ennemis. Ouais, c'est un peu désespéré comme solution. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est un nouveau tank. Et pendant qu'on y est, un nouveau heal aussi. J'ai encore oublié de surveiller ma barre de mana. Eh ben, c'est pas avec ce genre de noob que l'Empire va reprendre le dessus, hein. Vous avez vu ce type? Il s'est fait le même skin que l'avatar de fantôme. J'ai déjà entendu cette voix quelque part. Mais venez, on va le rejoindre au cimetière. Comme ça, on va peut-être lui demander de rentrer dans la guilde, hein. Je passe mon temps à wiper. 6 jours pour atteindre le niveau 10. Je savais que la classe élémentaliste était difficile à EP, mais quand même pas à ce point-là. Qu'est-ce qui m'arrive? Regardez son pseudo, fantôme. Je savais bien que cette voix me disait quelque chose. Oh, mais c'est super que tu sois revenu. C'est grâce à ma peluche de Smorbif, hein, pas vrai? Non mais c'est n'importe quoi. C'est juste un mec à copier son avatar, hein. Je vous rappelle qu'on est allé chez lui et que c'était un vrai légume. Alors je vois pas par quel tour de magie monsieur se serait remis à jouer.
Bon, on va très vite être fixé. T'es le vrai fantôme? Non. Ah bah ouais, y a pas de doute, c'est bien lui. C'est incroyable. Mais pourquoi tu nous as pas dit que t'avais créé un nouveau personnage? Parce que je préfère monter mes niveaux seul que mal accompagné. C'est pas super gentil ce que tu viens de dire. Et comment tu vas faire pour faire la tour Galamadria Bouillac? Il faut être minimum 4. Bah, je ferai du pick-up. Tu risques d'attendre longtemps, mec. Y a presque plus de joueurs bas niveau dans l'Empire. Ah ah! Tu sais pas quoi répondre, hein? Ça veut dire que tu dois rentrer dans notre guilde. C'est hors de question. Je ne veux rien devoir à personne. T'es pas dans le bon jeu alors. Horizon 2.0 est basé sur la collaboration entre joueurs. Et crois-moi, j'en sais quelque chose. Attends, toi, tu parles de collaboration? Ah, laisse-moi rire. La seule chose que tu sais faire, c'est exploiter les autres pour ton petit profit personnel. Moi? C'est pas vrai? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Depuis qu'on s'est rencontrés, tu passes ton temps à me piéger. Tiens, regarde. La dernière fois, quand on s'est vu RL pendant l'interview, tu m'as menacé de colporter des rumeurs comme quoi j'étais le fils caché du créateur du jeu. Non mais t'as vu à quoi t'en es réduite pour que je te rush? Ah bon? Tiens, je m'en souviens plus. Et puis si j'en suis là, c'est à cause de ta maudite vidéo. C'est pas moi qui l'ai postée, c'est Maître Zen. Et puis c'est toi le tricheur dans l'histoire. Si t'étais clean, rien de tout ça serait arrivé. C'est un coup monté. J'ai jamais été cheaté. Menteur! Je me suis servi de cette vidéo pour faire chanter le créateur du jeu. Si elle était pas authentique, jamais il m'aurait rendu mon avatar banni. Quoi? On dirait que t'étais pas au courant. Je comprends mieux pourquoi tout me semblait si facile. Mais pourquoi Donteuil aurait-il fait ça? Pour faire de toi un outil marketing. Tous les joueurs voulaient te ressembler, mais comme t'étais cheaté, personne n'y est arrivé. Mais t'inquiète pas, maintenant que t'es devenu super méga nul, eh ben ils serviront plus toi. On va pouvoir aller chasser les smourbif tranquillement. Mais pourquoi il s'en va? Il boude? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Hé hey, fantôme, reviens! Tu sais, ça fait rien si t'es cheaté, hein. Moi aussi je l'ai été, hein. Hé hey. Il vient de réaliser qu'il a été un pantin pendant des années. Il a rempli les caisses et on l'a jeté comme une vieille chaussette. Il accuse le coup, c'est tout. C'est horrible. Tiens, t'es plus muet? Il faudrait vraiment penser à recruter fantôme, hein. Avec ton mutisme quand il est dans les parages, ça fait des vacances à mes oreilles. Mais justement, c'est ça qui est horrible. De quoi? T'es amoureux de lui, t'as du mal à l'accepter? Ah mais non, mais j'étais à côté de fantôme et... rien. Comment ça, rien? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah je sais pas, il avait plus aucune aura. Moi j'ai plus envie de lui ressembler, là. Et en plus, j'aurais même pu lui parler. C'est pas le genre de mec à admirer quelqu'un de moins fort que toi, c'est tout. En même temps, vu comme t'es superficiel, ça me paraît logique. Mais je veux pas, moi. Moi, j'ai besoin de mon modèle pour avancer. Écoutez, il faut à tout prix que Fantôme redevienne numéro 1. Sinon, moi, je perds ma motivation. Trop bien! Tout le monde veut que Fantôme rentre dans la guilde! Pour une fois, je suis pas le seul à faire des efforts pour rechercher des nouveaux copains. Allez, venez! On va tous le retrouver! Ouais, ouais... Quatre heures qu'on spamme l'annonce sur le canal et on est que deux, quoi. Bon, moi j'abandonne. Bon, je pars ensuite. Attends. Je t'avais dit que c'était mort pour du pick-up. Les serveurs sont désertés côté Empire. Fantôme, je sais que cette guilde est truffée d'incapables. Mais si tu veux battre Amaras un jour, il faut que tu joues avec les personnes qui croient en toi. C'est bon. J'accepte de rentrer dans la guilde noob. Bah, c'est quand tu veux. Chut! Quoi? Bah, Arthéon est pas connecté et c'est le seul qui peut envoyer les invitations pour te faire rentrer dans la guilde. Je vois. Ça commence bien.